J'ai pas tué. Je vous dis que j'ai pas tué. Pas qu'il serait temps de me la dire, la vérité, à moi. Je suis même venu spontanément chez vous. Vous êtes venu spontanément, mais pour me raconter des histoires. Votre mari n'a jamais eu une maîtresse. Vous savez mieux que moi qu'il en est incapable. Il n'est même pas capable d'être un mari. Ça ne sert à rien de chercher à comprendre. Avec l'amour, il y a toujours des ennuis. Bah enfin, mon Dieu, quoi, il s'est pas envolé. S'il est arrivé par là et qu'il est pas passé par là, il faut être là-dedans. Alors serrez-moi ça et fouillez-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu veux que je te gifle, hein? Dis, tu veux que je te gifle? Tu reconnais que tu le mérites? Oui. Est-ce que je te dis oui? Non, non, salope. En plein cœur de Paris. Dans le vieux quartier du Marais, Maigret tend un piège. Ébouriffant. Je ne sais pas ce qu'en pensera monsieur le procureur général. Pour ma part, je trouve ça ébouriffant. Quatre crimes et au quatrième, le père Maigret qui part pour la pêche. Je ne sais pas ce que vous cherchez, monsieur le commissaire, mais vous le cherchez bien. Vous ne désirez pas autre chose? Non. Laisse tomber ta valise. Et dis-moi ce qu'elle est venue te demander. Rien, je vous dis. T'as une bonne tête, mon petit père, mais fais attention. Pourquoi vous me dites ça? Parce qu'on pourrait bien te la couper. C'est l'affaire la plus extraordinaire de toute la carrière de Maigret. Qui est-ce, la femme? Une femme a été tuée avec ça. Elle a été désossée, votre bonne femme? Désossée? Ah oui, quand on se sert d'un couteau à désosser, c'est pour désosser. Ça va de soi, non? Parce que mettez-vous bien dans la tête que le gibier qu'on essaye de traquer n'est pas d'une espèce courante. Il agit par crise et les crises se rapprochent. Si on attend, on sera l'alerte quotidienne. Alors, l'enquête, la routine, tu comprends, hein? Maintenant, c'est la chasse au tigre. Derrière la question « qui a tué ?» se pose une autre question. Qui est coupable? Qu'est-ce que vous faites là? Oh bien, oui, j'y connais comme beaucoup de gens. Suivi toute la nuit. Marcel Boucher. Vous vous représentez Marcel Boucher, débutant de la viande. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je suis chez moi. N'empêche que le 5 à 7 du 1er mai, ça a été sa nuit de noces. Et ce qui l'emmerde, c'est que je m'en sois aperçu. Comment vous la voulez, votre canaille? Trembleuse ou insolente? Le petit numéro qui nous a servi après ton coup de Malakoff. C'était pas mal, si je me souviens. Tu vas me dire qu'il m'est passé à ça, sous mon nez, il est passé sous mon nez. Ouais, bravo. Émile, ça c'est le prénom de votre père. Ou c'est Marcel Xavier Raymond, hein? C'est la rafle à l'agrume. Fais la table d'écoute. Les communications d'Yvonne Morin, ça t'intéresse? Jules, es-tu sûr de ton coup? Voyez bien, ce n'est pas chez elle qu'il va quand il est malheureux. C'est chez sa mère, chez lui. Là-bas, il n'a jamais été chez lui. Jamais. Restez les enfants savent bien qu'il est à elle. Assis. Oh, mais il m'attend. Asseyez-vous. Il a avoué. Demandez donc ça au commissaire. Et alors, parlez. Mais je vais partir. Mais je vais revenir.